doesn't seem so crazy right now. On va pas encore reparler de ça. On va pas encore reparler de ça. Franchement, franchement, bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Nous reprenons notre survie du week-end, qui n'a pas eu lieu le week-end dernier. Enfin, une partie en tout cas. Et oui, c'est assez compliqué. On a toujours notre loup gelé. Oui, toujours bien. On a toujours de la nourriture, on a notre bois récupéré, on a ça, on a du... Ok, 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 on est très bien. Est-ce qu'on a été soigné du... de l'enfermement? Une heure c'est le temps de marcher, ça va, c'est très très bien. Donc, si nous avons marqué la grotte... On est où? Attendez, on est là? Je crois qu'on est... Oui, on est là. On est ici. On avait trouvé la dernière fois le lac ici, par là. Quelque part par là. Rien d'intéressant, hélas. Rien d'intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la... Non, là. On va retourner à la colline au signal. Et nous allons récupérer tout ce qu'il y a là-bas. Et puis, tout simplement partir. Hein. On va aller là où... réseau de grottes et ça va nous permettre de retourner. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué donc je me remets un peu dans le bain doucement. La rivière sinueuse je crois bien et après, ou le ravin, c'est un des deux, c'est le ravin je crois. Et après on retournera au lac mystère en fait. Non je crois que c'est la rivière sinueuse comme ça, après le lac mystère il est là. Les noms en fait sont mal positionnés j'ai l'impression, honnêtement. Parce que le lac mystère c'est plutôt ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'est pas grave, c'est des détails qui sont embêtants. Enfin voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Par contre pour la nourriture, alors on en est à combien à manger? On a encore un peu d'eau. Comme j'ai dit, l'heure qui va passer, ça va nous permettre d'enlever la folie là, c'est bien. Là on a... On va prendre ça, on a encore un peu d'eau, on a combien là? On avait de l'eau là-bas, je me rappelle, on va prendre ça, on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Ah mince, c'était quoi? C'était de l'eau impropre. Jeter, jeter. Très bien, nous avons récupéré tout notre matos. Qui est très bon. Je crois que... Il est quelle heure? Je crois qu'on va devoir aussi... Si je dis pas de bêtises, on va devoir coudre des choses. Je crois nos vêtements et tout ça. Parce qu'il faut utiliser les peaux. Comme ça, ça nous évitera de les trimballer sur nous. Donc, on va aller faire ça. On va partir maintenant. On n'a rien oublié. Hein. Juste dernière petite vérification. Normalement, on n'a rien oublié. Non, on est bon. Non, on part. Donc oui, en ce moment, beaucoup de stream, du coup, pour octobre. Beaucoup de stream. Donc, du coup, pas de... J'ai pas vraiment le temps, en fait, de faire du The Long Dark. C'est par quel côté? Si on sort de là, c'est par là-bas, je crois. Ouais, je pense que c'est bon. Donc voilà, il y a un peu de ça, et puis en ce moment, ça, c'était pas trop la joie, on va dire. C'est plutôt vie privée, donc honnêtement... Ah bah voilà, mal de l'enfermement, guérison. Donc voilà, pas trop envie de faire quoi que ce soit. Je préférais rester à rien faire. Ce qui est très mauvais hein, pour le psychique. Très mauvais pour le psychique de rien faire. Mais bon, quand on n'a pas le moral, on n'a pas le moral, comme ça. Dans tous les cas, on est reparti pour notre petite aventure. Donc on va retourner au lac mystère et on va retourner chez nous. J'espère que dans cet épisode on bouclera ça, comme ça on sera chez nous. Et comme j'ai dit, on fera une petite pause, encore une fois. La petite pause, pour moi, elle va sûrement durer quelques heures quand même. En gros, on va se remettre à fond. Je vais aller chasser pour récupérer un peu de viande de côté, tout ça. Je vais coudre les vêtements qui nous manquent, qui sont pas à 100% ou pas trop proches de 100%. On va peut-être faire encore des flèches. C'est des lapins. Ouais, ça va pas durer extrêmement longtemps. Honnêtement, on pourrait même faire des épisodes dessus, mais ça va pas vraiment être intéressant à regarder. Donc, je vais faire une pause comme d'habitude. Mais voilà, ça va durer quelques heures, pas plus, je pense.
Et après, on partira pour la crique lugubre. Donc, voilà. Peut-être à la limite, faudra voir combien de peaux d'ours on a. Peut-être à la limite, je voudrais vraiment que nos deux vêtements. Ben voilà, en parlant d'ours. Oh, doucement, calme-toi. On va passer par là, on est un peu proche. Mais... Non, on est bon, on est bon. Nos deux vêtements en peau d'ours soient recousus, et je voudrais aussi surtout que le. Comment ça s'appelle ? Attends, ah non, c'est bon, il ne poursuit pas. Le. Ah merde, je me suis loupé. Ah, on devait monter là, je crois. C'est pas grave, on fait le tour. Ah, surtout le sac de couchage, en fait. On va la jouer safe, on va passer par par la route. Je pense. Ah, il nous fait chier cet ours, ça nous a un peu rallongé l'histoire. Parce que normalement on aurait pu monter directement dans les montagnes. C'est vrai que... du coup là non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on se débrouille. On va se débrouiller. Mais sinon, ouais, non, pas grand chose. Pas grand chose à raconter. En tout cas, sur le jeu, bah, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Hein. Il n'y a pas de nouvelles par rapport au mode. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de très spécial. Hein. Ça, c'est un peu embêtant. Donc bon, pas grand chose de ce côté-là. Après, bah, pour la chaîne, oui, on est en train de faire des streams de jeux d'horreur pour le moment, pour octobre, parce que c'est le mois d'Halloween, du coup. On va éviter de passer par les montagnes, parce que je vais encore me péter toutes les chevilles et les poignets et tout ça, là, pour aucune raison, et c'est vraiment chiant. Ça fatigue, honnêtement, ça fatigue vraiment le côté de se fouler les chevilles, les poignets et tout le temps, là, c'est un peu chiant. Vraiment. Donc on va essayer de marcher sur un peu de plat. Mais voilà, on a fait Project 05, qui était, que j'ai fait sur Wii U. J'ai dû commander une Wii U et tout ça pour le faire. Parce que l'émulateur ne fonctionne pas vraiment avec ce jeu. C'est pas facile hein, de trouver une Wii U qui fonctionne, hein. C'est pas facile. Hein. J'ai dû pas en commander, mais je me la suis fait changer, celle que j'avais commandée, la première. Car elle marchait pas. Elle marchait pas. Et après la deuxième elle fonctionnait. Il y a ça et tout ça. Non mais sinon c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Le jeu était vraiment vraiment bien. Project 05. C'est vraiment bête que ça soit. Alors je vais parler de la chaîne en général. Parce que de moi honnêtement il n'y a rien à dire sur moi qui est intéressant. Et sur le jeu il n'y a rien de nouveau. Donc oui il n'y a pas... Hein, ça va être compliqué hein, de faire une conversation avec rien. Hein. Donc je vais juste parler des jeux d'horreur d'octobre et puis voilà quoi. Donc comme je disais, Project 05, vraiment très bon jeu. À peu près... un peu moins d'une vingtaine d'heures, je crois, pour le finir. Première fois. Vraiment passé un très bon moment. Et le pire, c'est que ça rend encore plus triste, en fait, le fait que le jeu soit bloqué depuis 2014. Je crois qu'il est sorti en 2014 ou 2015. Je crois que c'est 2014. Depuis sur la Wii U, quoi, la console qui a le moins marché, qui a été le plus gros drame de Nintendo, honnêtement. Et honnêtement, la console, elle est pas... De 1, elle est pas puissante. De 2, le gamepad est pas pratique. Il y a plein de... C'est pas facile à utiliser. Il y a des choses extrêmement bizarres. Par exemple, vous pouvez mettre un jack, des écouteurs, en fait, branché au gamepad. Et vous vous dites, bah, du coup, c'est comme la PS4. Si vous mettez un jack à la PS4, vous avez le son du jeu dans les écouteurs, évidemment. Eh ben non. dans le gamepad, ça marche pas comme ça. Genre pour Project 05, par exemple, vous aviez un certain type de son. C'était surtout du son de gameplay, mais sinon, tout ce qui est cinématique, voix et tout ça, bah, ça venait de la console. Donc du coup, vous avez pas tout le son. Donc vous ne pouvez même pas jouer seulement avec le gamepad. C'est très très bizarre. Cette console, elle a été faite... Je sais pas si elle a été faite trop vite, sans test ou pas, mais beaucoup de problèmes. Puis même le jeu ralentissait, le jeu est bloqué, il est à 720p, à 30fps, et quand il y avait genre 2 ou 3 fantômes avec plusieurs effets en fait,
Ah bah là on passait à 15-10 FPS quoi, on le sentait bien hein, dans le gameplay. Oh la vache. Bah voilà, c'est un peu triste quoi de se dire qu'un aussi bon jeu, et pourtant il y avait vraiment beaucoup de travail hein, dans le jeu, un aussi bon jeu est bloqué sur une console aussi horrible quoi. Mais enfin, comme ça. Après j'ai voulu tester, donc c'était la troisième fois que je voulais tester Alien Isolation, c'est pas passé. C'est vraiment pas passé, j'aime vraiment pas ce type de jeu, j'y arrive pas en fait. Enfin c'est pas que j'y arrive pas, genre j'arrive pas à jouer, j'arrive pas à apprécier en fait. Tout simplement, j'arrive vraiment pas à apprécier ce genre de jeu de courir, éviter les ennemis et tout ça. Ça me lasse extrêmement vite. Et ça m'amuse pas du tout quoi. Pourtant, très fan de Alien, hein, très très fan de Alien, mais même avec l'univers Alien, j'y arrive pas. Hein. Et c'est la troisième fois que j'essaye de me lancer dedans. J'y arrive pas, j'accroche pas, j'arrive pas à accrocher. Donc on zappe complet. Et le prochain jeu qu'on va faire, par contre, c'est un très bon jeu de l'ère de la GameCube. C'est Eternal Darkness, tout en français. J'ai pu en récupérer un ISO tout en français, ce qu'on va devoir le faire sur émulateur. Parce que la GameCube, elle est dans des cartons. Enfin, c'est pas vraiment le problème. Le carton, ça s'ouvre. Le problème, surtout, c'est de faire une capture propre de console aussi vieille, en fait. C'est pas facile. Et honnêtement, c'est beaucoup mieux de le faire par émulateur. Beaucoup plus propre. Beaucoup plus clair. Enfin, beaucoup une meilleure image pour le stream. Et c'est ça qui est important, quoi. On va pas mettre une image toute pourrie. Donc, fourrure de peau en noir séché, là. C'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Donc, nous... Oh putain, 67%. On a ça. Et après, on a les vêtements. Après, on a les vêtements. Donc, 88, 99... Non, ouais, on va faire le sac de... Je crois qu'on avait dit qu'on faisait le sac de couchage. Hein. Je crois bien, si je dis pas de bêtises. Je crois bien. Après, nous avons du jaune érable. Alors ça, c'est pour faire un arc. L'arc, on l'avait déjà fait, si je dis pas de bêtises. J'avais déjà fait un nouvel arc. Donc, c'est pas vraiment... On n'a pas vraiment besoin de la... Après, là, on a celui-là. Celui-là, on va le récupérer. Et après, on avait tout mis là, dans le casier. J'essaie de me rappeler toutes les choses au fur et à mesure. Donc, ok. Très, très bon. On a les flèches. Enfin, les fûts de flèches qui sont prêts. On a ça, ok, on a plein de trucs à prendre. Ça va, il commence à faire un peu jour. Les jeunes érables séchés, est-ce qu'on en prend? Est-ce que j'en ai mis de côté? Ce jeune érable, c'est pour... attendez, c'est bien, je dis pas de bêtises. C'est bien pour... ouais, érable, c'est pour l'arc lui-même. On devrait peut-être en prendre un ou deux. Parce que je ne me rappelle plus, en fait... Si on en a au lac mystère des jeunes érables. Je pense qu'on en a de côté, parce que honnêtement, les érables, c'est. Même si on n'en trouve pas énormément, c'est pas comme si on les utilisait autant aussi vite que les flèches. Donc du coup, on en fait une réserve très facilement. Donc on va en prendre un. Deux. Je sais pas. Deux. Je crois même qu'on a encore des arcs à la maison, donc c'est pas très important. Ouais, je pense qu'on est bon. Donc alors, on va faire le sac. On va voir déjà le poids qu'on a sur nous. Alors, réparer, tissu, fourrure, 50 minutes, expert. Ok, très bien. Donc déjà, ça sera fait. Voilà. Donc il est de retour à 100%. Ce qui est un peu embêtant, c'est que dans un sens, on a sûrement réparé plus que nécessaire, ça c'est sûr. Hein. Mais le problème, c'est que bon, quand il commence à être à 60%, etc., bah, ça protège plus trop des masses non plus. Hein. On perd quand même beaucoup de degrés, donc il faut faire de la perte. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réparer en perte dans un sens. Donc on a encore celle-là. On pourrait dormir... Ouais, on va dormir le temps de se mettre d'aplomb et on va partir. Même s'il fait tempête, on sort directement. De toute façon, on va aller dans la grotte. Faut juste ne pas se perdre. Pourquoi j'ai parlé de tempête? Pourquoi j'ai parlé de tempête, honnêtement? Pourquoi j'ai parlé de tempête? Alors, ça,
Boyau, on s'en fout. Boyau, c'est chiant, on s'en tape. Ok, c'est très bien. Ça aussi, on s'en tape. Les moufles. On n'avait pas besoin de refaire les moufles. Hein. D'accord. 97, bonnet 96. Après, on peut le faire, mais. Enfin, c'est pas. Non, non, c'est pas nécessaire. Alors. Ça. Alors, normalement, en théorie, on ne retournera jamais ici. Enfin, hein, en théorie. Ça, on le prend. Ça, on le prend. Ça, on le prend. Ah, on est déjà, hein. Ah, ça va être lourd. Hein, ça va être lourd. Gâchette, oui. Ça, on va tout prendre. Oh mon dieu. On a combien de kilos? On a 50 kilos. Yeah, ok, on va faire un choix. 51 kilos. Quoique 51 kilos, honnêtement, c'est pas... On peut pas sprinter. On peut pas sprinter. Mais bon, c'est pas tellement, en fait. On va voir si on peut pas poser des trucs. On peut laisser une scie. Ça fait un kilo. Je voudrais bien juste être en dessous des 50, peut-être. Ça, on le garde sur nous. Les boîtes, on peut peut-être en laisser une. Ça fait un kilo aussi, parce qu'on a déjà une rouge et une bleue et tout. C'est pas vraiment la chose qu'on utilise énormément. Ça, on prend les deux objets, parce que ça, c'est des objets rares. Et les meilleurs qu'on puisse trouver pour nous, honnêtement. J'ai envie de laisser un stimulant. Je suis pas trop sûr si c'est vraiment utile de laisser un stimulant, en fait. Par contre, il y avait celui-là, survivre à nature. Ça, c'est pour faire du feu. On fait au max. Meilleure gâchette. Normalement, les livres, on les a pas lus. Hein, juste pour être sûr. Okay. Ah, celui-là, oui. Meilleure gâchette de l'Ouest. J'ai bien fait de regarder. À 48, c'est très bien. Je pense qu'on va tout... Ouais, on est bon, on va partir. Let's go. J'ai pas de nourriture. J'ai pas de... Quoi? J'ai pas de nourriture. Ah, j'ai pas de nourriture. J'ai pas pris la viande d'ours. On va prendre la viande d'ours, on va re-rentrer. Le temps que je fasse un dernier... Oh, il fait beau en plus. Enfin, il fait jour. Ça, c'est de l'eau non potable. Ok, c'est bon. Ah, le vent va être chiant. Le vent va être vraiment chiant. Le vent va être très chiant, même. Mais sinon, oui, le... C'est surtout pour... Eternal Darkness. Ça va être bien, ça va être bien. Je suis content, ça va être des bons jeux. Je suis un peu déçu, en fait, d'avoir voulu vraiment tester Alien Isolation. Mais bon. Je savais que j'allais vraiment pas aimer. Enfin, je savais pas, mais je me suis dit, ah, peut-être que ça va passer cette fois-ci. Ce que j'avais fait en vidéo, au début, quand il était sorti, je crois, ou pas très loin. Du coup, on va devoir poser ça. On va poser ça. Ça nous fera un kilo en moins, parce que sinon on est trop lourd. J'avais testé, et j'avais abandonné, parce que voilà, ça m'intéressait pas. Puis là, je me suis dit, peut-être en stream, ça passera mieux, en parlant avec les gens et tout ça, mais même là, c'était pas... Enfin, je m'amusais pas, quoi. Je passais plus mon temps à vouloir parler aux gens qu'autre chose, en fait. Au lieu vraiment d'avancer dans le jeu, vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça va être relou. Par contre... Ça va être un peu compliqué de trouver la... Enfin, je me rappelle plus vraiment, en fait, par où passer pour aller directement à la... comment ça s'appelle? La grotte? On va voir. Mais bon, on a une bonne visibilité, ça devrait pas être trop compliqué. Ok, là... Et là, on avance assez vite, ça va.
Très bien. On s'en va de cet endroit maudit. Maudit de gel. Mais ouais, il y a plein de gens qui me disaient aussi essaye Outlast et tout ça. Oh, non, ça m'intéresse vraiment pas. J'aime ce type de jeu est vraiment pas fait pour moi. On a un loup à droite. Ce type de jeu est vraiment pas fait pour moi. Ah, le vent est... Le vent, ok, le vent s'est arrêté. Okay, cool. Alors c'est plutôt là ou plutôt là-bas? Je crois que c'est plutôt là-bas pour la grotte. Je suis pas trop sûr. Il a fait demi-tour ce con. Il va pas me dire qu'il m'a flairé non plus. Putain, il est tellement lourd, il va falloir le tuer sinon. Déjà. On va voir. On verra ça. Mais ouais, du coup, on a fait un stream et puis abandon. Oh putain. J'avais dit que je voudrais bien lancer un deuxième stream dessus, mais je me suis dit non, ça servira à rien. Donc, un seul et puis on passe à Eternal Darkness. Donc c'est... vu que j'enregistre ça jeudi. Là, on est jeudi pour moi. On est jeudi. Donc c'est ce soir du coup, premier stream sur Eternal Darkness. Là il y a la grotte. On va aller s'abriter à la... Ça c'est la grotte je crois. On va aller s'abriter à la grotte et on va dessiner au pire pour être sûr du chemin. Je veux pas me perdre. Et après Eternal Darkness, je sais pas trop combien de temps ça va nous prendre. Peut-être une vingtaine d'heures aussi, pareil à peu près. Vu qu'il y a beaucoup d'histoires cinématiques et tout ça. C'est pas vraiment la difficulté du jeu qui est grande, c'est surtout le côté histoire, puzzle, qui peut prendre du temps. Donc ouais, je dirais une bonne vingtaine d'heures. Ah, et après on fera du Resident Evil Outbreak. Resident Evil Outbreak qui est vraiment cool aussi. On fera peut-être les deux jeux. J'en avais noté que un seul. On fera peut-être les deux. On verra. Ça, personne m'a suivi, on est bon. Les champignons, faudrait qu'on les prenne. Je pense que cette grotte, on l'a déjà dessinée. Le jeu de la colline. Parce qu'on a déjà tout vidé, en fait. Donc, je pense qu'on a déjà dessiné ça. Grotte du haut de la colline. C'est celle-là. C'est celle-là. Donc, on n'a pas besoin de dessiner. C'est pas grave. C'est bien. Donc, quand on sort, on va un peu sur la droite. On va devoir trouver la cachette du chasseur. Et après, on devrait voir la grotte assez facilement. On va attendre un tout petit peu. On va boire manger, quoi, en gros. Très bien. Est-ce qu'on n'a pas du thé à créer, là? Enfin, à préparer? Non, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas dormir une heure non plus. Non, on y va, on avance. De toute façon, après, on rentrera chez nous et puis on sera tranquille. Ah, il fait moins froid en plus. On va prendre ça, comme ça on pourra le préparer quand on sera dans la grotte. Mais voilà. Et voilà, octobre se passe plutôt bien pour le moment. Ah, la grotte elle doit être tout droit en fait, comme ça en descendant. J'avais passé un très très bon moment l'année dernière en faisant tous les streams d'octobre et tout ça. Là ça va être un peu la même chose. C'est juste un peu le coup de Alien qui m'a un peu, pas dégoûté, mais voilà, qui m'a un peu
Enfin, voilà quoi. et puis quelques problèmes en RL, en real life. comme disent les jeunes. Des problèmes RL. Voilà. J'ai un peu peur qu'on tombe nez à nez avec quelque chose ici, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est là, hein. Ah, c'est de la grotte là, non? Je crois que c'est ça. Oui, je me rappelle la dernière fois, c'était la grotte en hauteur, là. Oui, regardez, on a des torches. Je crois que c'est celle en hauteur. Mais voilà. On va faire ça. Et après, le 15, on a le DLC de Nioh 2. Plein de gens qui vont me demander aussi... est-ce que tu vas faire... C'est quoi que ça? Cyberpunk? Oui, parce que tout le monde va faire Cyberpunk, donc tout le monde va demander si je fais Cyberpunk aussi. C'est marrant, ça aussi, ce système de... Que les gens vont toujours demander, est-ce que tu vas faire tel ou tel jeu? Honnêtement, si... si on avait des streams avec 500 personnes, oui, je ferais tout le temps les nouveaux jeux, mais... C'est pas le cas. Et je voudrais aussi... me changer ma... Ma carte graphique, ça aussi, putain. Ça fait 3 ans que je voudrais la changer. Enfin, elle a 3 ans. Raison de grotte, il va nous falloir de... Elle a 3 ans et je voudrais la changer pour les nouvelles qui viennent de sortir. Est-ce qu'on peut faire une torche? On a, mais il nous faut des bâtons. Parce qu'avec... Avec 38%, on risque de pas avoir assez. Je crois qu'on va devoir trouver 3 bâtons. Pourquoi on a du kérosène sur nous? On a un truc pour allumer un feu rapidement, c'est ça? Je crois qu'on a ça sur nous. Attends, par contre... Vous voyez pourquoi je voudrais pouvoir avoir une solution pour déposer le sac? Déposer le sac. Que ça serait vraiment bien d'avoir une solution comme ça pour quand on veut juste aller récupérer genre 3 brindilles au lieu de se trimballer tout. Un peu à la Escape from Tarkov comme je dis à chaque fois. Bon, on va prendre déjà. On a une torche là donc ça nous fait une brindille. Il nous en faut que 2. Ça aussi. On a beaucoup donc pourquoi pas le prendre. Ah. J'ai anticipé l'arrêt. C'est pas bon. Bon, excusez-moi, je voudrais juste 2 brindilles, c'est pas trop demandé. Genre, je voudrais pas faire toute la map juste pour 2 brindilles quand même. Parce que faut pas exagérer, non? Je veux 2 brindilles. Mon dieu, il y a des cailloux de partout. Là. Là, peut-être. Là, il y a le pont. C'est vrai qu'on n'est pas passé par ce côté là-bas. Hein. Okay, c'est bien 3, hein, c'est pas 2. Non, c'est bon. On a la torche, on détruira la torche. Ça nous fera une brindille. On a pris quand même, on a fait beaucoup de pas pour deux morceaux de bois. Hein. On a fait quand même beaucoup de pas. Eh ben, ah oui, il y a lui là. Est-ce qu'on peut aller le voir? Je sais pas si j'arrive à passer par là. Ah ah. Je sais pas si on l'avait vu. Non. Bon bah, ça servait un peu à rien. Ah mais il était juste là en plus. Je pensais qu'il était en... plus bas en fait.
pensais pas qu'il était juste là. D'accord. Intéressant. Intéressant. Mais oui, tout ça pour dire que on va limiter les dépenses et je voudrais prendre une des 3000 là. Nouvelle carte graphique. Donc les jeux à 60€, tout ça, non. Pour le moment, non. On va pas faire ça. Ah, très bien. On va éviter. Et honnêtement, moi je veux prendre genre Cyberpunk, puisque c'est vrai que Cyberpunk, au début j'étais pas trop dedans. Bon, maintenant je le trouve plutôt sympa. Mais honnêtement, j'ai pas envie de le jouer sur ma carte graphique actuelle. Même si elle est bien, hein, c'est une 1080 Ti, donc ça reste quand même du bon matos. Hein. Du matos qui a 3 ans maintenant et qui est plus fabriqué, donc bon, c'est obsolète dans un sens. Ah oui, c'est vrai que je suis en poids. Mais du coup, on est parti. Du coup, j'aimerais avoir genre nouvelle carte graphique, donc c'est-à-dire que bah, du coup, on peut tout mettre à fond. Genre, si jamais je le stream, ça va être beaucoup mieux. On pourra vraiment mettre le graphisme au maximum, sans perdre de FPS et tout ça, ça sera nettement mieux pour tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça que d'abord carte graphique et puis après on verra pour le reste. Même si je le fais genre dans un an le jeu, c'est pas grave. Pas besoin de le faire à la sortie, quoi. Ça aussi, j'ai l'impression que des fois les gens ils comprennent pas trop. Enfin, je sais pas. C'est pas parce que je stream de temps en temps que on me paye les jeux. Ouais. Après ça c'est une autre histoire, mais... Je pense que ça sert à rien qu'on regarde tout ça, on l'avait déjà fait. Hein. On a déjà tout vérifié. Ah, c'est... On parle de tout et de rien. On est sur le chemin de retour. Hein. Comme je vous ai dit, enfin maintenant on est à l'épisode quoi, 70, 71, un truc comme ça. Je pense que ceux qui sont arrivés... 5 cul-de-sac. Ceux qui sont arrivés à l'épisode 70, 71... savent que quand on est sur le retour, vu qu'on a déjà tout fait, on a tout exploré et tout ça, et on est juste en train de retourner chez nous, bah on commence à parler de tout et de rien, quoi. On n'a pas, y a pas vraiment de sujet de conversation, donc au final je parle un peu de ce qui se passe sur la chaîne et tout. Voilà, quoi. Est-ce qu'on prend une autre torche ou pas? Peut-être qu'on y arrive avec celle-là. Si la sortie elle est là, on est bon. Je crois que c'est là. Non, on va allumer l'autre torche. J'ai pas trop confiance. Voilà. J'ai pas trop confiance, hein. On préfère jouer sécurité. Ok. Ah non. Ah si, si c'est un cul-de-sac. C'était l'autre côté. On a du charbon aussi ici, on pourrait vraiment récupérer le charbon. Ce serait intéressant. Mais bon. Il y a beaucoup de choses à prendre au final. Excusez-moi. Je sais pas. J'espère que j'aurai coupé le bruit. J'ai fait tomber quelque chose de mon bureau. Tout va bien. Tout va bien. Elle est plus grande que dans mes souvenirs. C'est par là. On a bien fait de prendre la deuxième torche. Même si c'est tout ouvert, je pense que ça en serait sorti. Ouais, je pense que ça en serait sorti. Ah, c'est bon, notre chaleur est au max. Non, alors j'espère qu'il fera pas très froid. Normalement, il faisait pas très froid dans la vallée charmante, donc honnêtement, ça voudrait dire qu'il fait chaud ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Donc, ouais, quand même, c'est sombre. Ouais, non, on a bien fait. On a très bien fait. Alors là, faut faire attention parce qu'il y avait quand même quelques bestioles, je crois. Je crois qu'on a vu quelques accrochages quand on était
parti. Ok, très bien. Donc, normalement, c'est à droite. Hein. Et là, on va repasser par le barrage. Alors, je sais pas si on va directement aller à la maison. On va voir un peu comment on est fatigué et tout ça. Enfin, point de vue fatigue, le temps, l'heure et tout ça. On va voir un peu. On va peut-être s'arrêter au barrage et dormir au barrage. Ou alors aux petites maisonnettes là qui sont à côté du barrage, enfin en face. On va peut-être faire ça. Parce que... Le problème c'est qu'on est lourd et j'ai pas vraiment envie de perdre du... Enfin être trop lourd dans la nuit. Parce que là il va faire nuit bientôt. Je crois qu'on doit monter. C'est vrai qu'on avait quasiment tout dessiné. Donc nous on est sorti là, on est allé à la droite. Là on fait quoi? On monte là en fait. Là on est en train de couper, je pense. Il y a des câbles électriques. C'est quoi des câbles électriques ça? Dessiner. Voilà. Enfin, ça sert honnêtement pas à grand chose parce qu'on voyait déjà quasiment tout. Ouais, en fait, ça coupe pour rien, quoi. Ah mais non, mais on peut pas passer. Ok. Non, mais il y a un éboulement, on peut pas passer, évidemment. Donc il fallait couper. Donc ça va, on a pris le bon chemin. Je devrais bien monter là le long pour être sûr qu'il n'y ait pas de loup, mais... Ouais, ça devrait être bon. Et des lapins... Ouais, non, c'est bon. Prendre peut-être les massettes au passage. Ouais, très bien. Ciao. Ah, c'est quand même mieux d'être là, hein. Quand même mieux. On a les lapins. Est-ce qu'on prend des lapins? Non, c'est pas grave. On en trouvera plein. Ah, j'espère qu'on va pas tomber nez à nez avec 350 000 loups. Parce que c'est vrai que des fois, ils ont tendance... Quand on part, en fait, du lac Mystère, et qu'on revient, genre, plusieurs jours après, genre, voire un mois après... on a vu qu'ils ont tendance des fois un peu à revenir en pack et à migrer vers notre cabane. Donc j'avoue que ça c'est un peu embêtant des fois. Donc on doit refaire le ménage hein, évidemment. Donc on doit repartir et tuer tout le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on sort après c'est une catastrophe. C'est loup partout. Il fait pas très froid. Ah, il y a un loup là-bas, je crois. Ou alors c'est un... Je suis pas sûr. C'était peut-être ou un loup, ou alors un lapin, mais en surplomb, donc du coup... je sais pas. Voilà. Très bien. Non, c'est un lapin. Okay. J'étais pas très très sûr. J'étais pas très très sûr. On va devoir remonter là-haut, ici, cet endroit-là. Puis à... Ah, tiens. J'ai pas envie qu'il me flaire, on va le laisser attaquer le lapin. On peut, mais ça nous servira à rien. Vous savez, hein, c'est la nature. Hein. Vous savez. Faut bien qu'il mange aussi. Hein. Parce que là, on peut lui mettre une flèche dans la tête. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rester là pour
pour récupérer sa viande ou sa peau. Le lapin, c'est pareil. Enfin, on va se charger pour rien. Et la carcasse, elle va geler. Et puis, au bout d'un moment, elle va disparaître aussi. Donc, ça sert à rien de faire ça. Donc, on le laisse. C'est pas grave. On n'a pas besoin d'interférer sur tout. C'est important. C'est important, ça. Une leçon de vie. Nous n'avons pas besoin d'interférer sur tout ce qui se passe autour de nous. C'était pas Snake dans Metal Gear Solid 4. Je crois que c'était Big Boss qui disait ça. Il disait un truc comme... je me rappelle plus des mots exacts. Mais c'était genre... le plus dur, c'est pas de vouloir changer les choses. Enfin, dans un sens, maintenant, de nos jours, ça veut plus dire grand-chose, en fait, ce qu'il a dit. Mais en gros, en résumé, ça disait que le plus dur, c'est pas de changer les choses, mais c'est de les laisser telles quelles. Ah, c'est très philosophique, et honnêtement, dans un sens, ça veut pas dire grand-chose non plus. Parce que les choses, quand elles sont mauvaises, enfin, quand elles sont pas bonnes, en général, il faut se battre pour les changer, vous voyez ce que je veux dire? Alors que... Après, dans un sens, on peut le prendre aussi le problème à l'inverse, c'est que les gens qui veulent changer les choses pour le mal, bah le plus dur, c'est le plus difficile, c'est de pas les changer. Ouais, enfin voilà, c'est philosophique, vous pouvez un peu le prendre n'importe quelle sauce. On passe. Ah, on parle vraiment de tout et de rien quand on rentre. On parle de la chaîne, on parle de carte graphique, on parle de philosophie. Et on essaye de pas tomber du haut d'un barrage aussi. Ce serait cool. Ce serait plutôt sympa. Tada! On est bon. Ça, il a tout bouffé. Ce qu'il pourrait rajouter aussi dans le jeu, ça serait de la détérioration de l'environnement. Mais bon, après, ça serait compliqué à gérer parce que... pas compliqué dans le sens où c'est dur à faire, mais ça serait dur pour trouver le bon moment, en fait. Par exemple, imaginons que les choses se détériorent au bout d'un mois, ça veut dire qu'il faudrait quand même se bouger un peu plus les fesses et essayer de jouer, de faire le plus possible, genre avant le mois, avant le premier mois qui passe. Vous voyez ce que... Oh, mais t'es sérieux? Bon. J'ai loupé ça? Oh putain. Bah là, je m'en veux, là. Enfin, on l'a trouvé, donc c'est bien, mais je suis impressionné d'avoir loupé un truc comme ça. Bon, après, c'est vrai que c'était du gris sur du gris. Ouais. Bon, bah, c'est cool. C'est très cool. Super cool. Super, super cool, vraiment. Oh, le bruit que ça fait, le barrage. C'est vraiment bien, ça. Pierre aiguisée, comme ça. Ah, mais voilà, après ça, mais ça pourrait être sympa, genre détérioration d'endroit. Après, il faudrait pas que la détérioration, genre, coupe le chemin, par exemple, coupe le chemin de quelque part. Parce que sinon, ça serait vraiment chiant, parce que ça nous pousserait, en fait, à stresser et à sprinter à un endroit, etc. Mais c'est vrai, ouais, détérioration, ça pourrait être intéressant aussi. Genre les montagnes qui commencent à se casser, ou enfin des endroits, ou le barrage, par exemple, qui commence à avoir des ouvertures et tout. Il y a plein de choses hein, qui pourraient rajouter à ce jeu de survie. On aime bien parler sur la chaîne de comment améliorer The Long Dark, qui sera sûrement jamais amélioré honnêtement, faut être honnête. À part les mods, comme j'ai dit, à part si vraiment il y a vraiment une grosse liberté par rapport aux mods. Mais voilà, on sait déjà que ceux qui regardent et puis la communauté en général, on sait déjà ce qu'on pourrait apporter, ce qu'on pourrait changer, qui serait beaucoup mieux pour nous. Mais ouais, détérioration des bâtiments et tout, ça pourrait être intéressant.
On est bien. Elle est quand même assez fatiguée. Après, on peut toujours... Oh. Tempête. Après, on peut toujours... travailler aussi sur, par exemple, les ours qui peuvent taper à la porte et détruire, ouvrir les portes ou des trucs comme ça, des bâtiments. Mais bon, vu que les bâtiments sont des... sont séparés par des zones de chargement, ça marcherait pas bien, il faudrait vraiment retravailler tout le jeu. Donc j'imagine que ça, ça serait quasiment impossible à faire, à part si les développeurs veulent vraiment tout changer. Mais ça aussi, ça serait intéressant que les animaux puissent nous chasser. Parce que même dans une grotte, hein, on sort et on rentre d'une grotte, il n'y a plus de loups, hein, y a plus de loups, il n'y a plus d'ours, il n'y a plus rien, ils vont pas nous chasser dedans. Hein. Parce que on est c'est séparé par un temps de chargement. Je sais pas si... Ouais, on va peut-être dormir hein, ici. Enfin, peut-être pas ici même, s'il n'y a pas de lit. On va peut-être dormir... Non, t'es sérieux? Même ici les tempêtes elles sont gentilles. Bon, ça monte un peu quand même, faut que ça soit un peu plus... Parce que... On était à la vallée charmante, c'était genre du moins 60, saloperie là. Tempête tous les jours presque. Là on est quoi, moins 30? Ah ça va quand même. Ça c'est parce qu'on se mouille en fait. Nos vêtements ils deviennent mouillés à cause de la tempête. C'est surtout ça. On va aller là. Oh! Putain c'était fort ça, c'était... Vous avez entendu ce bruit? C'était de la tôle qui se froissait ou un truc comme ça, mais putain, c'était fort! Ça m'a surpris cette merde. Ouais, là, on a rien, on est d'accord. L'argent. Ouais, là, même, ici, on n'a rien laissé d'intéressant. On est juste là. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là, on dort. J'ai envie de faire un petit épisode, ça nous fera quoi, 50 minutes? Ah, et peut-être que je pourrais comme ça commencer directement le changement. Enfin, vous savez, genre la farm, parce que je vais couper là. Je vais tout rafistoler, tout ça, comme d'habitude, et après on sera prêt pour repartir en aventure. Donc je vais peut-être arrêter maintenant, parce que sinon on aurait passé la nuit ici. Puis après on serait retourné au bureau de camping et après j'aurais arrêté la vidéo, donc ça, honnêtement ça c'est du pareil au même. Donc je pense que je vais arrêter maintenant, je vais faire un petit résumé de ce qu'on va faire, donc... alors on va laisser sécher la nouvelle peau là qu'on a d'ours, je crois bien qu'on en a encore une au bâtiment là comment ça s'appelle déjà ? Bureau du camping, donc du coup on pourra mettre nos vêtements à 100% si on en a besoin. Je vais faire en sorte d'avoir des flèches de côté, on va faire le thé, le café, comme ça on aura ça de côté aussi. On mettra les raichis, tout ça, enfin les champignons, les baies, tout ça de côté, tout bien nickel. Je vais peut-être lire le livre, peut-être, pourquoi pas. Et je crois que c'est tout. Après, je sais pas si on partira avec tous les objets, en fait, pour créer des balles. Parce qu'on n'a pas de douille. Alors, je sais pas si on trouvera des douilles un jour. On verra. Mais on n'a pas de douille, donc c'est peut-être pas vraiment important. De toute façon, on pourra y aller et revenir, de toute façon, à cet endroit. Honnêtement, la crique lugubre, c'est pas super loin. C'est pas très compliqué aussi pour y aller. Et il fait pas très mauvais aussi. Il faut être honnête, il fait pas très mauvais. Donc ouais. Ah, par contre, j'ai pas à manger.
Bah on a bien fait en fait de prendre des tiges de massette. C'est vrai que j'ai pas mangé de côté. Mais ouais, ça sera tout pour notre petit épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère en faire d'autres en fait direct assez vite. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas avec les streams et tout ça. Et puis, puis ma vie en ce moment, j'ai pas trop le temps libre. Et surtout que là, comme j'ai dit, je vais devoir jouer hors ligne, hein, enfin sans vidéo. Vu qu'on va faire une petite pause et on va tout rafistoler et tout ça. Donc ça va déjà me prendre quelques heures, genre 4 heures, 4, un bon 4 ou 5 heures, je pense, de farm peut-être. J'ai du mal à parler. Peut-être de farm. Donc voilà. En tout cas, j'espère. Voilà. Ça sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.